parti murlo kelu de ner lady lagne ding tayate ka jipiro ka assemblée nationale ko yewtete togo diso nire podo tire fino sariaji mojidi wale ka ner lady men do parti men on tayate numuradu don kono kadi no fo andiri non no fo famiri non no yesobe jettube kongol do holliri non yesobe wombe ka ner lady ga wombe ka bawo lady jippiro men gongo siwa lannude e hewti dum e nokku go haray en duboto e jippiro ngon wakkilo ɗen parti men o ɓura heɓude doole o ɓura tutade e nder leydi ndi hakkunde jama lagine on fof e dabana ɓiɓɓe lagine wonɓe ka ɓawo leydi wakkilo ɗen faamo tiral e nene goto baaɓe goto yagal ɓura tabutude hakkunde ɓiɓɓe lagine ɓe koyen duumo e ɗum ɗon min hanki kikiɗe e ɓawo geeƴe seeɗa ko sangoyaami heɗi ka quartier ton ka baafal galle am mi nanno bruyi buyno waɗa haa mi ɗengiti seeɗa minni konnu waɗi mi ndaari mi tawi ko suddiiɓe quartier on haldi fotti yo ar hiwragollan battane komi woni élu député komi woni élu vice président de l' assemblée nationale ɓaaruma min darti on jama ɗon jama suddiiɓe tun boko baaɓe e sewɓe mi ndaari mi tawi ɓe yonayno ɓe temedere kono mi tawi leƴƴi ɗin fof no ton koniyankaaɓe no ton maninkaaɓe no ton soosooɓe no ton baagaaɓe no ton gerzeeɓe no ton fulɓe no ton mi ndaari mi tawi alaa ko ɓuri ɗum ɗon fotude alaa ko ɓuri ɗum ɗon moƴƴude ɓaaruma holli ka nder quartier no yimɓe ɓen hoɗidiri noon hiɓe naɓidi hiɓe jokki en ɗan hiɓe faamotiri parti men on hoolaare mo mari fewlo ɗo on ɓaaruma ko faalaɗen ko ardaade lagine fow fiiɓiɓɓe lagine ɓen fow mo beye men ka woni ton si ko responsable politique koyo wakkilo o faamotira e kawtal makko ngal o holla ɓe miijooji men faaleeji men fiyo lagine men moƴƴu o holla ɓe hakkil e miijo e faale elaji selluɗal en jallo fiyo gine moƴƴu fi en fof yo wonunene gooto baaba gooto kamɓen ngaaɗe donc haray hiɗon tora no holliraa ɗo noon no wowa hollireede noon yo wakkilo wurni toon comité de base ji ɗin wakkilo ɗo wulli toon section ji ɗin wakkilo ɗo wulli toon fédération ji ɗin ɗum noon ko bureau comité de base section e fédération kañum e bureau ji mum ɗin ka rewɓe ka suddeeɓe particulièrement waɗen politique on jippiren hata en delfu hata en yaaru ɓaawo wakkilo ɗen yaare yeeso tun wakkilo ɗen kaɗe woote wonɗe arde heɓen conseil commune ji buyi conseil commune ji ɗin ka nder caye e conseil commune ji ɗin ka nder leydi ka dow wuri wakkilo ɗen tawe ɗen ka conseil de quartier ka conseil de district ka ka chef secteur allah walli dammana jiiɓoldu ko laamu ngun e seni on waɗuno kon ka woote fof wertaama rapport wi moolanangi windaama journoji ɗin fof site internet ji ɗin fof anndi fi mum organisation ji ɗin fof anndi fi mum ko ɓe jiiɓuno kon fof hollitaama ko ɓe salino jollute carte haanaaɓe henndude carte ji ɗin surtout ka zone ji men ɗum fof wirtaama nder tolɗe ko ɓe bolluno fii bureau ɗo wotti fof ɓe woɗɗiɗi ɗi woto ɓe ɗum fof wirtaama nder ton
bindin bondo mo be wanno fow be beydi puyka zone ji mabbe be duuti kamen dum fow windama der ton hollama ton laddinama windama siñama sanditanama fow wondema o seni do hina seni kelduɗo wobɓe ton ɓen président o e wobɓe ton ɓen hina nunduɓe hina wawɓe golle hina tawnoɓe golle hina hanuɓe ardagol waɗ organisagol élection je nder leydi ɗum no fof no windi ton no laaɓi poy ɓe yaltintini to wonde maɓɓe commissaire ɓe wiyaɓe ko persantiɓe société civile ɓe tato e persantiɓe administration ɓe yinni ɓen ko woni ton kon ko mbiidu tun ɓarma ko wallitagol laamu wingin fiyo wote ɗen bonne ka nder reedi ɗo ɓeyni no hani ɓen ɗo martine few donc ɗum ɗo fof yaltiti ton si allah jaɓen jippiray fiyo sariyaji kesi kelluɗi waɗa fino wotirte ka nder leydi men ɗoɗe kono haray ɗon torayon tambito ha tawa accutugolle ɗen ka parti direction nationale o hawani yesso ɓen ka conseil politique ka bureau exécutif ka comité national des femmes ka comité national des jeunes yoɓe jippo ka fédération ji ka section ji ka quartier ji ɓe wallito ton fiyo doole parti on wonu ton par ce que ton woni ɗaɗi ɗin ko sien heɓi doole ton seeɓen tigi tigi porgal e nder woteji ɗi aroji ɗi ɓarma on holli on fofmoɗon wonde ɓayɗen heblade wakkiloɗen heɓen porgal ka élection locale wakkiloɗen kadi heɓen porgal heeringal ka élection présidentielle pellet sa yimmike e nderke hiɗen mari ɗen doole ɗon hiɗen mari jama ɓiɓɓe lagine wonɓe ɓaawo élagi sellu faalaɓe e élagi sellu ardo leydi ndi ɓarma ɓe andi ko aaden jondina aaden nunduɗo aaden fewɗo aaden wakkiliɗo aaden yiɗuɗo ɓiɓɓe lagine ɓen fof donc c'est pour féliciter l'ensemble des responsables des militants mobilisés encore aujourd'hui ici. Nous avons écouté tous les messages qui ont été délivrés. Nous sommes réconfortés par le contenu des messages qui appellent à la mobilisation de tous pour que nous soyons unis, pour que nous allions dans la cohésion la plus parfaite vers les élections locales prochaines. Nous avons dit que grâce à Dieu, grâce aux efforts de tous, grâce aux sacrifices qui ont été faits, nous avons réussi à asseoir l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale et les commissions. Mais le travail reste à faire. Et cela, c'est l'unité et la cohésion. Il faut que nous combattions de toutes nos forces l'esprit de division. La zizanie et les querelles inutiles, il faut que nous arrivions à désamorcer cette tendance-là parce que notre parti a un potentiel très grand. Il suffit que nous nous mobilisions et que les responsables restent unis dans la lutte. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Nous vous transmettons les salutations fraternelles de votre bien-aimé président Elhadji Sellou Dalein Diallo. Je vous remercie. Ok. Honorable à vos ordres, j'aurais au moins une carte de visite. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim. Militantes et militants de l'UFDG, chers responsables, je vous demande de vous lever tous. Nous allons maintenir une minute de silence à la mémoire des victimes du 25 janvier 1971, donc nos frères, nos papas qui ont été pendus,
et aux victimes du 22 janvier 2007 qui ont été abattues à côté du pont du 8 novembre. Merci beaucoup. J'étais ce matin au palais, plutôt au niveau du pont du 8 novembre, en votre nom, pour apporter notre soutien et notre solidarité, et au nom de notre président et la cellule d'Alain, aux victimes, aux enfants des victimes du Kamboiro. C'était pathétique. Vous imaginez quand vous avez perdu votre papa à Baja, quand vous avez perdu votre papa pendant votre enfance. C'est difficile, c'est inacceptable. J'ai vu Mariga, j'ai vu Ramata Taran que je connais très bien, j'ai vu le fils de Thibaut Tunkara, j'ai vu tous mes amis qui ont perdu leur papa et qui étaient là pour commémorer l'anniversaire de leur pendaison au niveau du pont du 8 novembre. Nous avons apporté nos solidarités. J'ai eu l'occasion de dire que nous allons nous battre pour lutter contre l'injustice dans notre pays. Vous savez, chaque fois qu'on parle d'injustice, je pense que nous avons la responsabilité de continuer à nous battre. Jacariao et les autres qui sont enterrés dans le cimetière de Bambeto, ils se sont sacrifiés pour lutter contre l'injustice. Je voudrais vous rassurer ici, au nom de notre président et à ma qualité de président du groupe parlementaire, que s'il y a un prix à payer, nous serons prêts à payer ce prix pour que notre pays soit un pays plus juste. Nous allons nous battre pour que le Guinée ne soit plus traité en tant que peuple malinqué soussou, mais que chacun soit jugé par rapport à son comportement. Et je voudrais encore vous donner la garantie que nous avons devant nous 5 ans. Pendant ces 5 ans, nous nous battrons la main dans la main pour que ces enfants qui sont enterrés à Bambeto, ceux qui sont morts, qui ont été tués d'une façon arbitraire dans notre pays, pour que justice soit faite. Je voudrais vous rassurer. Et vous pouvez compter sur nous pour ça. Le président Sélou Dalin est en mission du parti. Il est en Afrique du Sud. Vous savez, quand les grands se retrouvent, le président Sélou est toujours là. Il est le co-président de l'ADEPAC, les patrons, les libéraux du monde. Il a eu l'insigne honneur de délivrer le discours d'ouverture. C'est un grand discours. Ceux qui ont accès à l'internet peuvent voir le discours de la cellule. C'est un grand homme pour lequel vraiment nous avons l'obligation d'être fiers. On ne peut pas avoir cellule et imaginer chercher cellule. On a cellule, il faut qu'on profite de cellule puisque Dieu nous l'a donné. On ne peut pas changer ses loups comme on change une chemise. Ses loups, c'est ses loups. Quand tu cherches ses loups, tu ne chercheras que ses loups. Et je pense que nous sommes fiers de lui. En tout cas, nous le souhaitons un très bon séjour en Afrique du Sud. Parce que vraiment, quand on est co-président de l'ADEPAC et qu'on a la responsabilité de faire le discours d'ouverture et de fermeture, est-ce qu'on veut aller? Ça, c'est une fierté pour nous tous. Maintenant, vous savez que le président Alpha Condé nous avait parlé d'un gouvernement. Pendant un mois, il nous a dit, je vais mettre en place un gouvernement de mission. Le gouvernement de mission, je vais composer, ça va être le meilleur gouvernement du monde. Je vais te tromper, je ne connaissais pas bien la Guinée. Quand je suis arrivé, j'ai fait un gouvernement de récompense. Mais pendant 3 ans, je me suis rendu compte que ce gouvernement-là, à part la macroéconomie, n'a rien donné.
Vous savez, moi je ne sais pas c'est quoi la macroéconomie, mais j'avais commencé à dire que la macroéconomie ne nourrit pas quelqu'un. Quand on nous a parlé de PPTE, j'ai dit PPTE, c'est pas de l'argent qu'on donne. PPTE, l'argent que tu veux payer ta dette. Puisque tu es incapable de payer ta dette, on te dit maintenant ne paye pas la dette. L'argent que tu as là, que tu devais me payer, essaye de développer ton pays avec. Mais puisqu'on n'avait pas bien expliqué c'est quoi PPTE, une fois j'ai passé à Dixine, j'ai vu des gens en train de danser en disant « Ah, la Guinée, c'est fini, on a PPTE ». Ils dansaient là-bas, en face de la pharmacie de Manizé. On a même dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Méga Projet. Les gens pensaient que Méga Projet, c'est quelqu'un. Il dit « Méga Projet va arriver à la Guinée, il va nous sortir de la misère ». On ne peut pas développer un pays avec la macroéconomie. Je parle sous le contrôle de Tonton Kenda. Parce que quand on dit la monnaie est stabilisée, le taux d'inflation est ceci et cela, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, est-ce que je mange à ma faim? Est-ce que, comme le président avait promis, le sac de riz est à 25 000? Est-ce que j'ai de l'électricité? Est-ce que j'ai de l'eau? Pour moi, la macroéconomie, c'est ça. Le reste, là, ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, pendant 3 ans, les Guinéens sont dans la misère, sont dans la précarité. Ceux qui logent vers, comment on appelle, Tsofoya, en allant vers la cimenterie, l'Ansanaya, remonter vers Anta, il y a 2 mois, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que la macroéconomie peut régler ça? En plein centre-ville, il n'y a pas d'électricité. À Conakry, il n'y a pas d'électricité. Le sac de riz, même si ça coûte 180 000, combien de Guinéens peuvent acheter le sac de riz? Le problème, c'est à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on nous a dit que ce gouvernement est un gouvernement de récompense. J'ai été l'un des premiers, et je suis très fier de le dire ici à votre nom, que non seulement le premier ministre sera reconduit, mais les 80% des membres du gouvernement seront reconduits. L'histoire m'a donné raison. Parce que le premier ministre a été reconduit, et les 80% des membres du gouvernement ont été reconduits. Je me suis posé la question moi-même. Pourquoi Michel Fakonde va mettre un gouvernement de mission? Il va faire ça pourquoi? Pendant 3 ans, tu n'as pas pu donner l'eau, l'électricité, tu n'as pas pu donner le bien-être au Guinée, tu n'as pas pu diminuer le prix du riz. Il reste 18 mois. Pour le mandat du professeur Alpha Condé, il reste 18 mois. En 2015, nous allons organiser les élections. 2015, il ne s'agit pas de dire je suis prêt ou je ne suis pas prêt. 2015, l'élection va être organisée. Personne ne peut reporter la date de l'élection de 2015. C'est pas ça? On dirait que Alain n'est pas très convaincu. Vous savez, l'organisation de l'élection présidentielle ne dépend pas de la volonté de quelqu'un. 2015, l'élection sera organisée. Parce que si en 2015, on n'organise pas d'élection, si le mandat du président est fini, il est fini. C'est pour ça qu'on peut dire, bon, élection communale, mois de mars, mois de juin, tout ça c'est négociable. Mais élection 2015, ça va être organisé. 2015, c'est pour maintenant là. Mais j'ai pas connu, qu'est-ce qu'il a fait? Entre le développement de la Guinée, donner l'électricité, donner l'eau, créer des conditions pour le bien-être du Guinéen et préparer 2015, le professeur Alpha Condé a choisi. Il a dit, je laisse ça en attendant, comme je ne peux pas le régler, je vais mettre ma direction de campagne. Donc le gouvernement là, c'est la direction de campagne. Ceux qui ont mouillé le maillot pendant ces élections législatives, Maréga, Domani, Naïté, tous ceux qui ont mouillé le maillot sont dans le gouvernement. Makandera, tous ceux qui ont mouillé. Vous comprenez? Maintenant là, puisque lui-même il a mis sa direction de campagne en place, puisqu'il n'est pas de notre responsabilité de donner de l'eau, de l'électricité et le bien-être, ce n'est pas notre travail. Nous aussi, à partir de maintenant là, nous allons mettre en place notre direction de campagne. Le président Selou était là
l'UFDG. Il a lancé la campagne 2015 qui passe par les communales. La campagne est lancée, les Guinéens attendront jusqu'en 2015, c'est eux qui savent. Maintenant, si pendant 5 ans, tu es dans la misère, dans la précarité, tu n'as pas à manger, tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, tu ne sais pas qui choisir, ça aussi c'est ton problème. Ah, c'est pas ça. Parce que l'opposition, c'est pas l'opposition qui donne l'eau et l'électricité. C'est pas à l'Assemblée qu'on va donner l'eau et l'électricité. Je vais vous dire que le rôle des députés, c'est de faire des propositions de loi et contrôler l'action gouvernementale. C'est ça notre rôle, hein. Ce n'est pas nous qui allons donner de l'électricité. Ok? C'est le gouvernement. Maintenant, ce que tu n'as pas pu faire en 3 ans, si tu peux le faire en 18 mois, alhamdoulilah, rabbil alamin, welcome. Donc, et là, je vais vous expliquer, à partir de maintenant, là, nous aussi, nous sommes en campagne. Nous allons préparer les élections communes, après les élections présidentes. Est-ce qu'on n'est pas en campagne? On a un gouvernement de campagne, nous aussi, nous sommes en campagne. Ce que je vous demande à partir de maintenant, là, à partir du comité de base jusqu'au niveau de la fédération, retrouvez-vous. Retrouvez vos cartes. Nous avons le rapport de l'Union européenne. Ce qu'on nous a fait pendant ces élections législatives, personne ne fera ça. Vous allez voter. Vous allez voter. Nous allons reprendre le fichier. Le fichier va être repris et vous allez voter. Préparez-vous, préparez les cartes, organisez-vous. Vous devez aller dans chaque quartier, aller voir les voisins. Vous avez vu là, Juma, il y a 100 personnes qui sont venues pour le saluer. Des Kissiens, des Landouma, des forestiers, il n'y a pas de problème entre les Guinéens. Il n'y a pas de problème entre les Guinéens. Je mets au défi dans cette salle, quiconque peut se lever et me dire que de son arrière-grand-père jusqu'à son père, jusqu'à lui-même, que cela se laisse lui, c'est pas possible. Quand tu n'es malinqué, c'est que ta maman est certainement peur. Si ta maman n'est pas peur, ta grand-mère est peur. Alain Touré est de Forcalia, sa grand-mère est peur. Ok? Vous comprenez? La polygamie, c'était ça avant. L'avantage avant, c'est maintenant qu'on est en train de moderniser. En train de dire, non, il faut une femme. Nos parents prenaient 4 femmes. Malinqué, Soussou, Peul, et tu avais tout. Donc, tu vas dire que tu n'es pas, la Guinée, ce n'est pas une famille? C'est pas ça? Nous n'avons aucun problème entre nous. Allons, tous ceux qui sont découragés, Malinqué, Soussou, Peul, pour l'UFDG, ce n'est pas un parti Peul, c'est un parti pour l'ensemble des Guinéens. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut aller régler ça. Moi qui vous parle là, je ne connais aucun parti en Guinée qui soit un parti plus national que l'UFDG. Je ne suis pas Peul, je suis vice-président, je suis le président du groupe parlementaire. Dites-moi qui est capable de faire ça. Est-ce que quelqu'un est capable de faire ça? Vous avez vu autour de la table, vous avez un Kissien qui est assis à côté, bien une souqueta. C'est pas ça? Hein? Vous avez Kalemobi Yassane, il est de Montréal, non? Vous avez là Juma, c'est pas un peu? Vous avez. Comment il s'appelle? Hein? Ali Kondé, c'est pas un Malinké? Quelqu'un va nous parler de ça, nous? Est-ce qu'on a besoin même de démontrer ça? On n'a pas besoin de démontrer ça. 2015, c'est pour nous. Eh bien, il dit Saraka. Si bien la parole, eh bien, il dit Saraka. 2015, nous allons gagner. Je suis convaincu que l'opposition va s'organiser. Ma vision de l'organisation, c'est que nous allons nous arranger. Personne ne peut gagner au premier tour. L'essentiel est que les partis de l'opposition se donnent la main pour que au second tour, ceux qui passent au second tour, tous ceux qui sont dans l'opposition le soutiennent. On est d'accord là? Je pense que c'est la meilleure stratégie pour gagner. Merci beaucoup. La lutte continue. Nous vous remercions. Wassalam. Merci.